Et bonsoir à tous et bienvenue sur la console rétro, je suis Jay, je serai votre hôte ce soir comme tous les vendredis. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une agréable semaine, que vous êtes prêts pour profiter de votre incroyable week-end. On est ce soir en train de faire un live rétro-suggestion sur, je voulais vous la présenter mais je vois que je vais arracher tous mes câbles, sur la magnifique Megapack de la console rétro. Je rappelle que si cette console vous intéresse ou n'importe quelle autre console de la console rétro vous intéresse, vous pouvez utiliser le code promo J10 JAY10 pour avoir 10% de réduction sur votre commande, et ça c'est magnifique. On va tout de suite passer à la transition magique pour voir les jeux. Transition magique. Salut tout le monde, salut Nico, salut Seb. Je suis en avance, non, je suis justement à l'heure à laquelle normalement je suis censé faire ce live, c'est-à-dire à 19h. Je ne suis pas en avance. Je sais que les derniers temps on a fait le live à 19h30, mais c'est parce que j'avais des obligations avant. Donc non, je ne suis pas en avance. Je suis juste à l'heure. C'est simplement ça, le truc qui a changé. Alors, la run Metal Slug. Si vous voulez, on verra si. Parce que j'ai également une autre obligation normalement à 21h. Si cette obligation ne se présente pas, on continuera peut-être un peu. Mais on verra. On verra quand même ce qu'on fait. Alors, vous le savez, on est en mode rétro-suggestion. Donc vous pouvez me suggérer des jeux quand vous voulez. Si je les ai, je les mets. Si je les ai pas, et ben c'est la tristesse, mais c'est comme ça. Du coup, je fais une petite run Metal Slug pour me mettre en jambe. La petite run Metal Slug, qu'est-ce que c'est? Je lance le jeu Metal Slug de Neo Geo. Et mon but, c'est de terminer le jeu en un seul et unique crédit. Pour l'instant, c'est encore jamais arrivé. Mais ça arrivera. On s'en approche petit à petit. Voilà, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Petit à petit, ça avance. Machine gun. Oh là là. Je prends des risques. Je prends des risques inconditionnés. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Voilà, ça va, tout va bien. Et comme d'habitude, vous le savez, normalement la mission, il n'y a pas de problème. Je dis normalement, mais bon, le dernier coup, ça s'est mal passé. On est mort de mission 1 et mission 2. Mais on est quand même arrivé mission 6. Comme quoi, ça veut rien dire. Voilà. Et donc je rappelle, hein, bien évidemment, si vous voulez suggérer des jeux, c'est avec le plus grand bonheur que je vais lancer le jeu. Et puis après, du coup, on continuera sur la légende de Thor. On va faire la fameuse tour de 100 étages pour gagner l'arme Oméga infinie. Et ça, après, ça rendra le jeu beaucoup plus facile. Alors, j'espère que vous avez tous participé au jeu concours qu'il y avait de dispo. Merci. Akram Saimi, c'est bien comme ça qu'on prononce, j'espère ne pas écorcher. Bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous avez tous participé au jeu concours et j'espère que vous avez gagné, que vous faites partie des 10 premiers et que donc vous avez la chance d'avoir gagné une incroyable console de la console rétro. Ou si vous êtes extrêmement chanceux d'avoir gagné l'iPhone 13 qui avait à gagner. Si c'est le cas, eh bien, toutes mes félicitations. Oh là, je fais n'importe quoi. Si seulement. Alors, où est-ce que tu connais ton classement, mon cher Seb? Est-ce que tu sais à combien tu étais Est-ce que tu as pu gagner quelque chose quand même?
le droit de rejouer, peut-être. Rocket Launcher. Mais heureusement, on passe quand même des bons moments tous ensemble. Et merde, quel débile. J'ai oublié de sauter. C'est ma faute. Pardon. Ce qui est pas très grave, hein. Ça nous empêchera pas de quand même réussir, mais on aurait pu s'affranchir de ça et avoir beaucoup plus de roquettes. I'm in the Ninja. Hello Fajar Nade. How are you? And welcome on the live stream. If you want to suggest a game, you can suggest it, and if I have it, we're gonna play it. I'm French actually, but I can speak in English, it's easier. Thank you. But you can probably hear it with my very French accent. Là, je le force un petit peu. J'ai oublié de compter. C'est pas grave. Quand on aime, on compte pas. Le move a été un peu rapide. Ça va le faire. Aucun problème. Ah bah tiens, si j'avais quand même pris un dégât. Aucun problème, mais quand même des dégâts. Ce qui fait que je perds des points. Enfer et damnation. Des dégâts. Aïe aïe aïe. Deuxième dégât. C'est pas bon ça. Comment ça s'est passé votre semaine? Racontez-moi un petit peu. À part le fait de participer en masse au concours, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie cette semaine? Heavy machine gun. Ça se passe beaucoup mieux depuis que je fais mon move sur l'autre plateforme là-bas. J'arrive beaucoup mieux à les avoir. Chaque fois j'ai peur solo alors qu'il n'y a aucun danger. Oh là là, pourquoi j'ai raté mon saut? Non, mais non, mais non! Putain! Fais chier! Pourquoi mon saut marche plus? Je suis dégoûté, ça marche pas, c'est... Il y a un truc avec ma manette, mes sauts marchent plus. Mes sauts marchent plus. Bordel. Je suis pas vénère, c'est faux. Vite. Passons vite à un autre jeu. Ça m'a saoulé. Oh là là. Illégal ce qui s'est passé. Pourquoi ça a fait ça? Est-ce qu'il y a un jeu que vous voulez voir? À part me voir râler sur Metal Slug. Putain. C'est, normalement, ça, il y aurait jamais dû avoir ça. Ça aurait jamais dû faire ça. On était en train de gagner là.
Miss Pac-Man, quelle plateforme? Je sais pas, Atari, MAME peut-être. Attendez, mais je crois que j'ai quand même un vrai problème avec ma manette. Ok. Est-ce que ça va mieux se passer? Donc Miss Pac-Man. Atari? Laquelle 2600? Je suis étonné. Je l'ai pas du tout. Hein. Il est là. Ça a été galère à trouver. Hein. Miss Pac-Man. Que je me souvienne comment on joue, pas comme ça déjà. Des cerises. Je suis mort. Oh, c'est passé. Pas mort, j'avais pas vu. Au moins faire le niveau. C'est bon. Ça va vite par contre. Framboise. C'est une fraise. C'est pas grave. Je l'ai vu trop tard. Ils ont un nom, je crois, en plus. Les fantômes, ils ont tous un nom, tout à fait. Et ils ont tous un comportement différent en fait. Chaque couleur de fantôme a un comportement différent. Oh, c'était risqué de faire ça. Ah, il en reste en bas. J'avais pas vu. Ah ah, surprise. J'ai oublié leur nom. Donc on peut être très très fort à ce jeu en développant des stratégies. Je suis mort. Ouais. Je l'ai vu venir. Merde, c'était l'orange. L'orange, je pouvais la... Je pouvais le... Je,
pouvais trouver une astuce. Elles sont pas très efficaces, hein. Je suis mort. Ouais, je l'ai vu trop tard. Je l'ai vu trop tard. Dernière vie. Est-ce qu'on peut y arriver? Pas en jouant comme ça. Je suis mort. Non. Quel débile. Ah, c'était la fin. Voilà, c'était Miss Pac-Man. J'espère que ça t'a plu. Pauvres petits fantômes, ils se sont fait croquer. Alors, je voulais faire un autre truc aussi. Je sais plus ce que c'était. Pipou, pipou, pi. J'essaie de retrouver. C'est tout, il n'y avait pas d'autres suggestions que Miss Pac-Man sur Atari. J'essaie de relancer une run de Metal Slug du coup. C'était pas là. Parce que c'est pas normal. Je supporte pas cet échec qu'on a eu. C'est pas normal. Je devrais pas pouvoir me faire tuer comme ça. On devrait pouvoir forcément le gérer. Suggère les enfants. T'inquiète, Metal Slug ça va le faire. Start. Ça se passe pas bien quand même, déjà dès le début. Hein. Je prends des gros risques, c'est pour faire des points, mais je devrais pas du tout être là. Putain, rien que la mission 1, je me fais des frayeurs. Est-ce que c'est normal? Il y a un problème là. Oh là là, on est. J'ai utilisé une grenade, mais c'est pas grave. C'est pas de celle-ci dont j'ai besoin, donc ça devrait le faire. Avec un petit peu de concentration quand même. Pourquoi je vais là, j'en sais rien. J'ai même pas pris les munitions du coup, et du coup ça m'enlève des points, mais n'importe quoi. Après je vais continuer la légende de Thor du coup. On va faire les 100 étages. Je sais que vous voulez voir la fin. Pourquoi j'ai peur comme ça ?
Mais non, mais... Oh putain, c'est pas possible d'être aussi mauvais. Rocket Launcher. Je me déteste. Je suis dégoûté. C'est pas le bon moment, j'ai l'impression. Hein. Faut pas faire de Metal Slug ce soir, quoi. Je suis tellement dégoûté. Y a pas de, normalement, y a aucune difficulté. Y a aucune difficulté sur cette mission-là. C'est dingue. Thank you. Allez. Machine gun. Quand même. Combien de fois j'ai fait ce move et qu'il passait pas? On va y arriver, hein. Ah, le pattern. Pattern dégueulasse. Et voilà. Le dégât. Quand même. Bon, ce coup-ci, on essaie de pas mourir mission 3. Mais je suis déjà mort de toute façon, mission 1. Enfin, toute semaine difficile, enfin ma petite période de détente. Ah, raconte-nous alors, qu'est-ce qui s'est passé, Jérôme? Pourquoi t'as eu une semaine difficile? Mais là, je suis triste là, parce que la run Metal Slug, ça se passe vraiment mal. Ça se passe jamais aussi mal normalement. Enfin, si, tout à l'heure, ça s'est mal passé. Langage des munitions. Ça refait des blagues encore. Je gâche beaucoup de munitions. Les munitions, c'est pas la joie, hein, quand même. Mais quoi? Mais pourquoi? C'est dingue! Les sauts, ils marchent plus! Je suis dégoûté, putain! J'ai pas de mitrailleuse, comment je fais, Manon? M'a feinté. C'est dingue. Je suis vénère à cause d'un saut là. Pourquoi les sauts ils marchent plus? Da da di lu 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 lu
Semaine surchargée de taf. Ah, vous savez, c'est le week-end quand même. Rassure-moi. Et merci Eric Leroux, pardon. Merci pour ton like, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Que t'as passé une bonne semaine. Qu'elle était pas trop surchargée de taf. Allez, meurs. Allez, que je sauve lui d'abord. Normalement, il y a des otages dans les arbres aussi, mais alors j'ai du mal à comprendre le pattern des otages sur la mission 3, vraiment. Un jour, je comprendrai peut-être. Pour l'instant, c'est pas clair. Mais déjà, il y a un truc, c'est qu'il faut pas que je meure. J'ai l'impression que c'est un peu lié au nombre de vies que je possède. Comme là, on a zéro vie. Ça m'ennuie d'ailleurs. Et je prends un dégât bête. Putain. N'importe quoi. Rocket launcher. Dégoûté. Le week-end enfin. Il passe toujours aussi vite. Ah, c'est inévitable hein, malheureusement. On choisit pas à quelle fréquence s'écoule le temps. Mais le ressenti, hein, toujours le ressenti. Dès que t'as du temps libre, le temps passe beaucoup plus vite que quand tu fais un truc qui te plaît pas quoi. Mission 4, start. Okay. Pilou, pipou, mission 4, pas de problème. Fais pas mentir le jeu. Mission 4, y'a jamais de problème. Donc c'est pas aujourd'hui que tu vas me faire des problèmes. Voilà, le niveau on roule littéralement dessus. Hein. Il faut de toute façon, c'est ça qu'il faut faire. Autrement, ça devient difficile. Quoi? Pourquoi? Et ça va pas. Ça se passe encore mal. C'est vrai, malheureusement, ouais. Malheureusement, mais le truc qui serait cool, c'est de faire en sorte que ton boulot te plaise. Ça serait vraiment ultra cool. Et là, j'ai fait n'importe quoi parce que je regarde le chat au lieu de regarder le jeu. Et donc, je prends un dégât que j'aurais pu largement éviter. C'est pas très grave, parce que ça nous empêchera pas de gagner quand même. Mais ça fait une réduction de points. Heavy machine gun. Bon, mission 5. Mission 5, c'est toujours un petit peu aléatoire. Toujours un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup trop d'ennemis. Et on est à 0 vie, donc je le sens assez moyen. Oh là!
là là, mais n'importe quoi! C'est incroyable! C'était pas le jour. C'était un jour où il fallait pas jouer à Metal Slug, voilà. Et eh ben tant pis, pas de problème, on va pas faire. On va pas faire ça, on va continuer la tour Galamadria Bouillac. Pipoupipoupi, c'est pas très grave. Il est là. Ça sera bien aussi. Voilà. Et on commence parfait en plus, directement étage 1 avec Ditto. On peut pas avoir un meilleur pattern pour commencer. On est full life, full mana. Ça devrait bien se passer. PLS édition. Non mais je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais je suis mort à des endroits où je meurs jamais, quoi. Dommage. À chaque fois qu'il y a un petit espace vide dans les débuts d'étage, j'ai toujours un petit espoir qu'on va tomber sur l'étage qui me va bien. Alors je vous raconte un petit peu le problème de ce niveau caché. Parce que là on est dans un niveau caché, hein, bien évidemment. Le problème c'est qu'on peut consommer aucun objet. Par conséquent, on peut pas se soigner. Le seul moyen qu'on ait de se soigner, c'est d'utiliser Ditto, qui commence à devenir urgent là. Aïe! Et ça, c'est un problème. Et donc du coup, le seul moyen qu'on ait... Voilà, donc là c'est parfait. Ça c'est le genre d'étage que l'on aime bien, parce que ça veut dire qu'on peut se soigner. Du coup. Je vais vous montrer ça immédiatement. Sitôt que... j'arriverai à me débarrasser de ça. Parce que je sais pas pourquoi, mais je me fais tuer par ce truc là. La strat, c'est d'en laisser un qui est relativement calme, en vie. De se soigner full life. Voilà. Et maintenant on va juste attendre. En fait, la sauvegarde de la semaine dernière. C'est celle-là, c'est la sauvegarde de la semaine dernière. On est dessus, justement. Et après la strat, c'est ça. C'est attendre que la mana remonte. Comme ça on garde Ditto constamment avec nous. Ça nous permet de nous soigner jusqu'à la fin de. On peut... Le problème c'est que c'est très lié à la RNG en fait. C'est-à-dire que le jeu décide si tu vas pouvoir te soigner ou pas, quoi. Donc après, il faut jouer constamment correctement. Et la seule vraie strat que j'ai pu développer là-dessus, c'est ça, quoi. C'est ça pour se soigner jusqu'en bas. Et c'est pas facile. Hein. Même comme ça, c'est pas facile. Aïe. Aïe. Boss. Ah oui, tous les... J'ai oublié de vous dire ça aussi. Tous les 10 étages, il y a un boss. Ah, j'ai aucune épée. Parfait. Et aussi, je crois qu'on est soigné. Tous les 10 étages, on est soigné automatiquement par le niveau. Ce qui veut dire que j'aurais pas dû utiliser la mana.
Alors on est soigné mais pas full life, hein. on a juste une parcelle de soins. Voilà. Et là, c'est le meilleur moment de récupérer des objets un peu rares. Et ça, c'est tous les 10 étages, donc. Le petit téléporteur, ça nous ramène à l'étage 1, et donc du coup, ça nous permet de sortir si on a envie de sortir de ce niveau-là. Et bien évidemment, plus on descend, et meilleurs les objets sont. Donc la strat, ça va être de descendre jusqu'en bas et de rester en vie le plus longtemps possible. Mais faut être un poil concentré quand même. Parce que mine de rien. Et bah du coup voilà, vous voyez la RNG là qui me file tout le temps les rats. Alors c'est cool et c'est pas cool en même temps. Parce que du coup c'est cool parce qu'on avance dans les étages, mais ce qui est pas cool c'est que du coup bah je perds la mana en fait. Parce que je conserve mon. Non ! Ça. Je conserve en fait Ditto avec moi donc dommage. Vous voyez pourquoi j'ai tout le temps ce petit espoir? Parce que ça sous-entend que on peut se soigner en fait. Ça sous-entend qu'il peut y avoir de la flotte et que donc du coup on peut se soigner. Aïe. Concentré comme le jus d'orange. Ah, on est sur ce niveau de blague donc. Ça se passe mal. Je peux plus me soigner. J'ai plus de mana. Donc là maintenant on va tout falloir faire au talon. Donc c'est à dire pas comme ça. Ça c'est vraiment pas bon en plus comme bestiole. Aïe 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 aïe. Boss. Est-ce que je peux pas les avoir à distance? Non, je crois que je peux juste faire ça en fait. J'ai juste à rester comme ça et ça devrait bien se passer. On va peut-être se remettre full life. Par contre, on a toujours pas Ditto avec nous. Ça, c'est un peu embêtant. On va pas jouer au héros. Hein. On va pas rester au centre non plus. Parce que si on bute le dernier ennemi et qu'on reste au centre, c'est-à-dire qu'on est directement emmené à l'étage d'après, qu'on peut pas récupérer l'objet. Et si on est à gauche, ça veut dire qu'on se téléporte. Voilà. Si on est au mauvais endroit, en fait, on est téléporté tout en haut et pareil, on a envie d'éviter ça, quoi. Ça, ça marche ou pas? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Je ne sais pas. L'avenir le dira. Non. Et non, du coup, voilà. Ce qui est dommage, du coup, j'ai gâché le... J'ai gâché une possibilité de soins, malheureusement. Mais on pouvait pas le savoir.
Donc là, on va attendre un petit peu. Comme c'est le seul moyen de son, c'est un peu long, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je vais peut-être faire une autre sauvegarde. C'est juste pour assurer le truc. Hein. Mais bien sûr, on va éviter de tricher. Hein. On va le faire sérieusement. Oh putain, mais je suis débile. Alors attendez, comme je suis débile, on va essayer d'être un peu moins débile quand même. Voilà. C'est parce que je suis pas concentré. Voilà, là j'ai pris un dégât, mais c'est pas grave. Je l'accepte. C'est ma punition. C'est un petit peu long de tuer ces bêtes là. Ok. Ah mais non, je l'avais pas vu à cause de Ditto là. Aïe aïe aïe. C'est de pas prendre deux coups quand même. Ah puis on va avoir un boss. J'avais oublié ça. J'espère que c'est le boss avec les météores parce que du coup j'ai rien à faire. Dommage. C'est pas là les météores. Mais en vrai, non, attendez. On va le faire autrement. Est-ce que les objets servent? Voilà. Et vous voyez, ça redonne pas toute la vie. Hein. Ah oui, introduction des raptors aussi. Sachant qu'on peut avoir des raptors avec plein d'autres ennemis. Et on peut avoir aussi plusieurs raptors, parce que sinon ça serait trop facile. Aïe! Diantre! Faut vraiment les faire. Ceux-là, faut les faire à la vitesse. Parce que ça permet de faire cette espèce de d'élan. De coup avec un large spectre. Ah oui. Ah. Voilà pourquoi faut être tout le temps concentré. Hein. D'ailleurs, on va se soigner un petit peu. On va être vraiment full life. Voilà. On avait perdu un petit peu de vie. Donc, vraiment, optimisation. Ça arrive. Ça
ça veut pas dire que c'est pas parce que ça arrive pas, c'est pas parce que ça arrive que faut pas refaire la même technique. Parce que du coup, forcément, ça coûte de la mana, hein, donc. J'aime beaucoup cette strat où c'est l'ennemi qui bute tout le monde. Très mal joué. Est-ce que j'ai des trucs pour eux? Non. Enfin, jouer au talon. C'est-à-dire pas comme ça. Aïe aïe aïe. Tiens. Mais n'importe quoi, joue mieux. Passe mal. Aïe, je vais mourir. C'est bon. Eh ben, ça redonne pas vraiment beaucoup de vie. Hein. Et du coup, malheureusement, ça compte beaucoup de mana. Il faudra retomber sur un truc avec de la flotte si on a envie de survivre. Je peux pas me soigner. Dommage. Aïe aïe aïe, non mais non mais non. Oh là là. Allez, un peu de concentration quand même. Je vois plus rien. Je n'ai plus d'image. La carte d'acquisition fait des blagues. Voilà, c'est retour de l'image. De la flotte. Et non. Ça va commencer à mal se passer là du coup. On va arriver près d'un boss. Donc ça se passe vraiment pas bien. J'espère que c'est les météores du coup, parce que c'est un boss qui est pas trop compliqué. Je devrais pouvoir m'en sortir sans prendre trop de dégâts. Mais tant qu'à faire, si on peut avoir de la flotte. Mais non! Dingue. Je vais peut-être essayer de tricher quand même un peu. Non, c'est faux. Il faut pas tricher. Oh là là.
Horrible. Horrible. Je pensais pas que ça allait être ce boss là. Du coup, ça a mal se passer. Je sais plus lequel c'est en plus qu'il faut que je déglingue en premier. C'est lui, je crois. Je sais pas où il est. C'est lui. Ah putain. Non, je veux pas. Putain. J'ai perdu. Ah ou alors attendez. Peut-être une solution. Je peux pas. Ça m'en sortir quand même. J'arrive pas à viser, c'est dingue ça. Ok. Je sais qu'il est là. Voilà. Toujours je m'affiche avec des mecs avec des grandes capuches. Je suis dégoûté! Il a réussi à balancer sa bombe juste sur ma tronche quand même. Il a réussi à pas toucher ses potes. Très très fort. Et plus on avance, plus ça devient difficile. Voilà, quand je vous disais que. Un seul raptor, c'est trop facile. Et j'ai pas fait la bonne technique. On peut plus soigner, terminé. Au revoir. Ils sont stylés par contre. Les raptors, ils me défoncent. C'est ça le problème. Aïe 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 aïe. Ah là là, ça se passe mal. De l'eau, vite, de l'eau. Oh, bonheur. C'est pas grave, allez, pas grave que... Allez, dégagez, voilà. Du soin, oui. Du soin. Ah, c'est dur. Ouais, ce soir, on a pas le. On a le chat noir. Mais ça va aller. On va s'en sortir. Je fais quand même des sauvegardes au cas où. Même si en vrai, je les utiliserai pas, mais. Bah alors. Voilà, c'est cette technique là qu'il faut utiliser. Aïe aïe aïe.
Non. Non. C'est bon. J'ai tellement peur de manger un dégât. Les météores. Voilà, celui-là en fait ça va. Parce qu'il y a juste à marcher en fait. Tant qu'on marche, ça va. Il faut juste pas s'arrêter au mauvais endroit. Voilà. Ce boss-là, il me plaît. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Triste. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas si... Peut-être m'en enregistrer en 4, quand même. De toute façon, on essaie de pas tricher. Hein. Quand même, on a quand même toujours espoir de tomber sur les étages où il y a de la flotte. Hein. Vu que c'est le seul moyen qu'on a de nous soigner. J'adore cette musique, elle a aucun sens, j'adore. La flotte! Et non. J'ai perdu beaucoup de vie sur cet étage. C'est un problème. La flotte! Triste. Alors, il y a peut-être un moyen. Faire le truc un peu proprement. Genre comme ça. Vu que ça aime pas les flammes, les zombies. Aïe aïe aïe, mais pourquoi? Oh là là, pourquoi j'ai fait ça? Je sais plus. Je crois qu'avec Efrid ça marche. Fais le taf. Aïe, ça marche.
marche pas du tout. Je suis dans les flammes, laissez-moi tranquille. Oh là là, mais je suis en train de me faire défoncer. Aïe aïe aïe, j'ai pris tellement cher. Putain, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on va avoir le truc des ombres. Comment je vais faire? Il faut de la flotte, hein, ça commence à devenir urgent là. Il regarde pas, il regarde pas ce qu'il fait. Il regarde pas, pourquoi il regarde pas? Saleté, j'ai perdu tellement de vie à cause de toi là. De la flotte, vite. De l'eau, please. Je vais mourir. Ça, c'est le son de la mort, ça. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ah putain. Ah merde. Bon bah rip. J'espère que ça vous a plu. On va être obligé de refaire du début. À moins que... In extremis. On a triché, hein, malheureusement. Normalement, c'est la mort. Je prends trop de dégâts, mais c'est pas grave. Putain, on n'aura pas de chance, hein, quand même. Faut pas que je reste au milieu en plus. Ce qui est bien, c'est que je les vois absolument pas. Ma vie qui s'en va.
Mais regardez-moi ça, ma barre de vie. Dégueulasse. C'est parfait. C'est nickel. C'est exactement ce que je voulais. Je peux, bien sûr, je peux pas les toucher avec l'arc. Je peux pas les toucher avec l'arc. Il me faut forcément une épée. J'en ai pas. Mais avance. Mais j'ai un problème. Il y a un problème avec ma manette. Je vous jure que c'est vrai. Il y a un problème avec ma manette. J'arrive pas à avancer comme je voudrais. Ça explique aussi pourquoi on perd le. On a perdu les sauts dans Metal Slug. C'est pas normal ce qui m'arrive. Bon bah on va mourir. Je sais pas, je me demande jusqu'à où je peux revenir. Est-ce que je peux revenir à l'étage précédent ou pas? Et refaire juste l'étage. Parce que tant qu'à faire, j'aime autant pas me retaper les 100 étages. Enfin, les 80 du coup. Il y a quand même un truc avec ma manette toujours. Ah là là, purée. Ouais, c'est Shade du coup, ce qui me sert à rien. Regarde, regarde-moi, regarde-le. Il fait rien, il fait que dalle. Au lieu d'aller agresser ses potes là, il est là à rien faire. Je vais mourir. Ça c'est le son de la fin. Et là j'ai plus d'objets, évidemment. J'ai perdu. On va recommencer du début. À moins qu'on arrive à survivre à cet étage par un miracle, je ne sais lequel. Voilà. Essayez quand même. Et que à l'étage d'après, on ait de la flotte. Sinon, je vois pas. J'essaie de survivre vraiment comme je peux, hein, mais... Là, il faut qu'il y ait de l'eau, sinon on a game over. Merde. Oui. Ah putain. J'ai pas triché, c'est faux. On n'a pas eu de chance en même temps. Faut quand même que la RNG soit un peu de notre côté, quoi. C'est vraiment avec tous les outils sans utiliser les save states, hein. Déjà, j'utilise le retour en arrière, ce qui est interdit, mais bon.
Il y a 3 raptors, c'est génial. On a perdu un quart de vie hein, sur cet étage. Parfait. C'est bien parce que j'ai même pas le temps de les éviter en fait. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je sais pas s'il y a une manière cool de les tuer sans mourir. Mais quoi? Je suis en plein milieu. Allez, 4 raptors, c'est un boss. C'est bon. Est-ce qu'on peut avoir de la flotte quand même sur les étages précédents, les étages suivants? Parce que sinon, ça va être quand même compliqué. Il reste que 10 étages, mais ça fait pas pour, c'est pas pour autant qu'on va quand même survivre. J'aime quand ils se butent entre eux là, ça me fait plaisir. Ça m'évite de me battre. Vous avez vu que c'est pas normal que je suis en train de courir et qu'il s'arrête de courir en plein milieu. C'est qu'il y a bien un problème avec ma manette. Plus de mana. Bon, va-t'en. Il faut de la flotte. Il me faut de la flotte. Ça devient urgent. Game over. Je vois pas comment je peux faire. Même avec le talon. De l'eau. Oh putain. Vous l'entendez le bruit du game over? Je peux pas m'en sortir. Je vais essayer quand même, mais... Ah putain. Au secours. Il reste que 3 étages!
suis pas vénère. La survie vite. De l'eau. Bordel de merde. Y'a rien à faire. Comment je vais faire les 3 raptors sans prendre un seul dégât? Je peux pas. Je vois même pas ce que je peux faire. Je peux rien faire. Il reste que 2 étages, bordel. Attendez. Ah, ça marche plus. Attendez, j'essaye un truc. La triche. J'essaie de feinter le jeu, mais je pense que ça marchera pas. Non. Faut forcément que je me mange les 3 raptors. Du coup, je peux pas l'éviter. Je fais vraiment au mieux, hein, mais malheureusement, je crois qu'on va être obligé de se retaper les 100 étages. On est à l'étage 98, les enfants. C'est pas abusé à quel point c'est horrible ce qui nous arrive. J'essaie de truander comme je peux, mais. J'ai rien, je peux rien faire. J'essaie de trouver une astuce, mais je suis obligé de prendre les dégâts. Il y a aucun moment où on peut se battre contre les raptors sans prendre de dégâts. J'essaie quand même. Je sais pas pourquoi j'insiste alors que je sais qu'on va recommencer de toute façon. Il n'y a pas d'autre solution, malheureusement. C'est le décès. J'ai essayé, hein. Vous avez vu que j'ai vraiment donné tout ce que j'ai pu pour le faire, mais c'était pas possible. La RNG a dit que cette partie était pas faisable. Tout le temps contrôler la RNG. Le chat noir est là. De toute façon, ce soir, hein, c'était chat noir. Faut juste jouer mieux tout le temps en fait.
Voilà, bon là on en a pas besoin mais on en a. Je tuais que lui. Évidemment que non. C'est juste pour voir. Par contre, on peut tuer lui. Voilà. Merde, j'ai vraiment cru que j'allais faire le boss sans prendre un seul dégât. Mais non. Il s'arrête encore en plein milieu. Je suis en train de courir. J'ai un putain de problème avec ma manette. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas normal que ça va sans. Pip ou pip. J'arrive pas à faire mon déplacement. Pourquoi il veut pas courir? Là par contre y a aucun problème. Mais bordel, mais cours! Fais un truc! Je vous jure qu'il y a un problème avec ma manette. C'est saoulant. C'est saoulant parce que je prends des dégâts que je devrais pas prendre. Comme tout à l'heure, les fois où on est mort dans Metal Slug, on devrait jamais mourir à ces endroits-là, mais il y a un truc qui joue avec la direction. Pourquoi ça m'a pas rendu la moitié de ma vie par contre? Manette pour voir ce qui se passe. Full life, full mana, c'est cool. Mais par contre, on n'a pas d'ito. Si, maintenant on a d'ito.
Je sais pas. Non, tout à l'heure on s'est fait surprendre, donc je vais plutôt le récupérer. Et on appellera Ditto quand on en a besoin. Voilà. Comme quoi on a bien fait. Je mangeais. Heureux Nico. Du coup on a recommencé comme tu as pu le constater. Parce qu'on est... Il y avait pas de solution. Il a fallu qu'on refasse du début. Et là il devrait courir. Je sais pas pourquoi il court pas mais... Ah par contre la RNG elle est très bizarre. Pourquoi est-ce que c'est autant généreux? Ça sent pas très bon non plus parce que pour l'instant on en a pas besoin. Et comme on en a pas besoin, ça veut dire que quand on en aura besoin, on en aura pas. Devenu vénère Flaubert. Ouais. Mais c'est chiant du coup, parce que ça se passe pas bien. Fait quoi le mec de Street Fighter, Blanca? C'est ça? C'est vrai que j'avoue un grand géant vert là. Oh oh oh, géant vert. Boss! Ah ouais. Si je me souviens bien, ce boss là on peut l'avoir comme ça. Parfait ça. Et merde, je prends le dégât quand même, mais heureusement on va avoir le son. Parfait. Je suis en plein dans le chemin. Vous voyez qu'il s'arrête en plein milieu ou quoi là? Je suis en train de courir. C'est pas du tout ce que je voulais faire. J'ai même jamais fait cette technique en plus. Du coup, je me prends des dégâts alors que je devrais jamais les prendre. Pipu. Voilà pourquoi il faut pas faire ça. Alors c'est extrêmement joli mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il fallait faire. Pourquoi il se passe ça? Pourquoi?
Mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi il me sort ces techniques là alors qu'elles sont assez galères à faire. Allez, cramez tous là. Merde, je croyais qu'il était mort. Je sens pas mieux. Je sais pas comment faire. Je vais déclencher le dernier à la fin. Ça y est, on commence à mourir. Je me suis pas soigné. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? J'avais plus assez de mana peut-être. Boum! Efrit, je crois. Ah non, Shade. J'avais zappé ça. Ah. Alors. Tout à l'heure, j'ai fait plein de save state, mais il faut pas en fait. Faut pas jouer à la save state. Oh oui, le bonheur. Ça, ça fait vraiment plaisir. On va y arriver, hein. on y croit. Mais par contre, faudra vraiment que je fasse quelque chose pour ma manette. Hein. Parce qu'il y a un vrai souci. Beaucoup trop de dégâts. Pipou. J'ai pris le dégât là. Ah bon? Mais pourquoi? Mais non! Mais pourquoi? Pourquoi je prends le dégât? Je suis en train de le taper! Ça l'a énervé du coup. Oh là là, ça les a énervés. Du soin. Encore une fois, elle s'arrête en plein milieu, on saura jamais pourquoi. J'avais oublié que c'était ça. Ah
peux pas faire ça. Faut forcément que je trouve une autre solution. Aïe. Aïe. Mais merde. C'est bon. Oui. Oh là là. Full life mais zéro mana. Tout à l'heure on avait pris un truc, ça nous donnait la moitié, quand on se soignait ça nous rendait la moitié de notre vie. Et donc là ça m'ennuie parce que ça le fait pas, je sais pas pourquoi. Je suis beaucoup trop près, bien sûr. Quoi? Mais pourquoi? De la flotte. Non, 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 mais non, mais non. Mais putain. Ma vie. Tiens, crève. De la flotte, please. Toujours pas. Oh, j'étais un peu... J'étais un peu vénère, ça. Toujours pas de la flotte. C'est très près. Je fais exprès, je crois. Et on a plus de la vie, hein. Vous voyez, hein, que depuis je sais pas combien d'étages, là, on a plus de vie. Hein. C'est nickel. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Hein. Heureusement, si j'arrive à survivre jusqu'au boss, on va être capable d'appeler Ditto. En théorie. Quoi? Je suis pas sur le même plan! Sans déconner. Et ce mouvement aussi, qui est horrible. Qui n'a rien à voir avec le mouvement que je fais, mais c'est pas grave. C'est les météores. Le niveau 60, c'est les météorites. Ça va peut-être le faire finalement. Ça va le faire. C'est bon. Et on peut se soigner aussi normalement. On va se concentrer hein, quand même. On sait jamais des fois que le joyau disparaisse, même s'il n'est pas censé. Cool. Aïe, aïe. Merde, merde, merde. Je prends tous les dégâts. Je prends tous les dégâts de l'univers, c'est parfait. Et
Je voulais pas le tuer lui. Il était calme. Je veux pas tuer ceux qui sont calmes. Allez, je vais quand même, on va quand même tricher un petit peu. Bah alors. Non, mais je suis... Putain, je suis à bout portant, mais qu'est-ce que tu fais? Mais là même. Bah oui, nickel. Pourquoi pas? Attendez. On va quand même jouer correctement. Voilà. Qui est beaucoup mieux. Et... Il y a un truc qui a fait boum, je pense que j'ai pris un dégât. Ma vie a l'air de confirmer cette théorie. J'ai réussi à pas prendre de dégâts. Ah oui, non, je me disais aussi. Oui, voilà. Je me disais, c'est bizarre. Ça, tout était très bien joué jusqu'à présent. Ça fait plaisir. Content de voir que Loki est encore parmi nous. Alors là par contre, ça j'arrête de se calmer, de nous balancer les trucs parce que s'il y en a trop, c'est à dire qu'on en aura pas quand on en aura vraiment besoin. Ce qui est pas très bon présage. Il y a sûrement un moyen de pas prendre de dégâts face à eux, mais je vois pas lequel. Oh, c'était joli ça. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais... Mais non! Récupérer l'autre moitié ou pas? Oui. Cool. Très mal joué.
Alors, je viens de gâcher de la mana, attendez. J'ai appuyé par erreur. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, donc j'ai un vrai problème avec ma manette. Hein. Voilà. J'ai mal joué le début, mais c'est pas grave. Je l'assume. Je peux rien faire. Je peux pas bouger. Mais c'est de l'arnaque. Très près de lui par contre. Ouais, voilà, j'étais très très près de lui. J'aurais jamais dû garder l'arche. Quoi? Non mais je peux pas bouger, putain! C'est de l'arnaque, je peux pas bouger! Comment j'évite ça? Et il y a plus de mana, génial. Et ben rip. Il arrive à me toucher de là, lui. Je peux pas m'en sortir. Ça va être un peu long, mais c'est pas grave. Étage 80, c'est pas genre les chauves-souris où j'avais genre bien pleuré. Aussi. Je ne peux plus me déplacer. Bordel. Manette à la con. J'ai un problème de contrôle, c'est hallucinant. Salut Mekimek. Je suis vert d'arriver juste à la fin. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, ça se passe bien. C'est, je râle beaucoup. Parce qu'on va mourir. Parce que j'ai aussi des problèmes avec ma manette. Je pense qu'elle est trop sale. Il faut que je. Il doit y avoir un truc qui coince la direction. Et du coup. Voilà. Du coup, j'éprouve de grosses difficultés à jouer avec ma manette. Et donc, je râle beaucoup.
plus que d'habitude. Ça, c'est le bruit qui annonce le game over. Alors, j'ai deux solutions. Soit j'essaie de me soigner maintenant, soit on essaie de voir et on espère qu'il y a de la flotte derrière. Comme je sais que je peux tricher. Mais non! Mais c'est abusé! La direction à la con, là! Dégoûté. J'essaie vraiment de jouer correctement, c'est ça le pire. Mais la manette, elle veut pas, le jeu il veut pas me donner les trucs dont j'ai besoin aussi. Voilà, donc là les trois raptors, ça indique la mort. On va faire autrement. Je sais que j'ai trois raptors derrière, donc le seul moyen que j'ai de survivre, c'est de faire ça. Par contre, il faut viser correctement. Voilà, merci. Qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai réussi à changer la RNG. Attends. Dommage qu'il te donne une manette. Non non, mais c'est gentil, t'inquiète, mais je vais juste la nettoyer. C'est pas, en fait c'est j'ai branché une manette de Xbox 360. Je t'explique comment ça marche, Mike, c'est que j'ai ma manette en fait qui est branchée dans mon setup et il y a le fil qui passe un peu partout. C'est plus facile d'avoir une seule manette avec un seul câble qui est branché à tout plutôt que d'avoir 15 manettes. Parce que sinon je m'en sors plus. Donc j'ai qu'une seule manette et j'utilise tout le temps la même. Mais le truc c'est que bah, comme j'utilise tout le temps la même, au bout d'un moment il y a ma peau qui rentre à l'intérieur, tu vois. Enfin, peut-être à tes doigts qui s'effritent, et donc du coup je dois salir l'intérieur de la manette, et donc ça doit gêner la direction. C'est quand même assez improbable ce qui vient de se passer. Est-ce que si je fais genre ça là, que je fais ça? Non, je me tape les trois raptors. Par contre, si je fais ça, que je fais ça, ça change la RNG. C'est ouf. C'est pas grave. Je voulais économiser, mais visiblement le jeu veut pas que je triche à ce point-là. Il a raison. On devrait pas tricher du tout. On devrait le faire d'une traite normalement. Ce qui est quasiment le cas. Hein. On a juste surtout joué avec le retour arrière parce qu'on a eu des problèmes de contrôle. Mais en vrai, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'anticipe des zombies. J'ai aucune idée de ce qui est, de pourquoi j'ai vu le futur, mais voilà. On a vu le futur. Ça se passe mal, hein, mais
Non, ça va. Le soin. Alléluia. Alléluia. Je vois, sinon ils auront dit oui, obligé. C'est vrai que ça serait très gentil de leur part. Mais j'en ai une, j'ai la manette qui est livrée avec la console, je l'ai. Donc j'ai pas besoin de les déranger pour ça. J'attends exprès, hein. On recharge, on optimise. On veut cette épée, plus que tout. C'est ça qui va nous sauver la vie. Enfin, sauf face aux ennemis de flammes, mais... Merde, j'étais un poil près, visiblement. Je peux pas passer. Je suis mort. Non, c'est bon. Voilà, crevez tous. Voilà. Meurs. Il est encore vivant, lui. Le boss. Oh, les raptors. Quelle horreur. Mais quoi? Vide du soin. Eh ben, c'est la tristesse. Les derniers étages. On y croit. On y croit. Alors tous les jours par contre. Si c'est des moustiques comme ça sur tous les étages, oui. C'est long, mais au moins ça prend pas beaucoup de vie. Par contre, s'ils mettent des triple raptors, je vais pas être content. Mais non, pourquoi métal? Ils aiment pas le feu. C'est très près, mais c'est pas grave. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Et par contre, il faut tirer dessus. Hein. Voilà. Oh, c'est génial ça. Le soulagement. On va peut-être bien réussir. On attend que la mana remonte. Même pour 6 étages, c'est pas grave, on attend.
Et là, la direction remarche. Et sauf là. Je sais pas pourquoi. J'ai pas le droit de perdre de la vie. Tant pis, c'est pas grave. Aïe, mais non! Je dois être full life, full mana, c'est inévitable. C'est trop dur après, donc il faut. On doit pas laisser le moindre. Le moindre petit écart. Vraiment optimiser au maximum. C'est bon. Par contre, ça se passe très très mal. Il a fallu que j'utilise un soin quand même. Je prends tous les dégâts de l'univers, c'est dingue! On va avoir suffisamment de mana pour aller jusqu'au boss. Oui, on va y arriver. Et merci Yakofi pour ton like, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Niveau 99. Je devrais peut-être pas rester au milieu à chaque fois. Aïe aïe aïe. Mais bouge. Arrête de. Il reste au milieu. C'est... Putain de manette à la con. Il s'est rien passé. Je refuse de me faire défoncer à cause de ma manette. Ah merde, il y avait un boss avec. Aïe aïe aïe, je reste au milieu. Quel débile. C'est bon, normalement on réussit là. Vu toute la vie qui me reste, ce serait vraiment pas bien si je meurs. Elle est là. L'arme ultime. C'est fait. On a réussi. Arme incroyable. Elle est là, voyez. Pour vous montrer le talon de cette arme. Voilà. C'est que là maintenant je vais pouvoir tuer tous les zombards. Là. Paf. Un petit coup d'épée, c'est terminé. Je crois qu'il y a un truc à faire là. Je crois que j'ai besoin de ça. Je me souviens plus exactement ce que j'en ai besoin.
C'est pour aller dans le temple de Bao. Je me souviens plus exactement où c'est d'ailleurs. Il faut aller. C'est là, là, tout simplement. Et là, je crois qu'on peut faire un truc. On peut sortir du... Ouais. Mais ça, c'est une mauvaise idée d'aller là, je crois. Je me souviens plus. Voyez cette arme incroyable. Quand même. Quelle heure est? Normalement j'aurais dû arrêter à 21h mais on va avancer un petit peu quand même. Je crois qu'il faut ouvrir, faut allumer ça. C'est vrai qu'on peut les cuire directement maintenant, j'ai plus besoin d'avoir Efrit avec moi. Je peux juste mettre un coup d'épée. Comme ça, ça crame. On a, vu qu'on a l'épée Oméga maintenant. Oméga, ça veut dire que c'est bien là. Je sais même pas si j'ai besoin de tuer tout le monde. Je crois pas que ce soit nécessaire. Ça, je dois. Je crois que j'ai même plus besoin des frites pour casser ça maintenant. Je peux mettre juste des coups d'épée Oméga dedans. Voilà. J'ai plus jamais besoin des frites en vrai. Aïe. Ah oui, on peut aller chercher le coffre avec, avec Shade. Probablement ce qu'on va faire d'ailleurs. Quoi comme clé là? J'ai zéro clé. Oh, j'avais besoin de celle, j'avais besoin de cette clé. Pipou, 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 pipou. Voilà, et ça je vais pas aimer. Ce passage là. Ce passage là je l'aimais pas. Parce que normalement, on est censé le faire avec Efrit. Sauf qu'il est incontrôlable ce personnage. Et donc du coup. C'est une galère. Ok cool. Heureusement que je suis autonome maintenant avec les trucs. Ah. Je crois qu'on peut juste passer de l'autre côté comme ça. Ok, cool. Paf. Il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que lui là. Je le sais. Pas la clé. Faut qu'ils viennent par là. Cela dit, je peux. Non. Enfin, si, je pourrais le faire avec les frites aussi pour qu'il aille se balader et essayer de les tuer à distance. Ça permettrait de gagner peut-être un peu de temps.
Ça a ouvert un truc. Débile. Ah, ça a ouvert ça. N'importe quoi. Mais faut que j'allume toutes les torches quand même parce que ça ouvre je sais plus quoi à la fin. C'est quand même nécessaire. Et c'est pas le pire passage hein, avec les plateformes. Il y en a un pire. C'est pas cette porte là d'ailleurs. Non. C'est là. Peut-être manger un steak, non? Qu'est-ce qu'on a comme objet? Il y a beaucoup de trucs pour de la mana. Peut-être faire un peu de place pour gagner un peu de vie. Quoi? C'était là. On peut aller là aussi directement sans avoir besoin des frites. Aïe. Je crois que ça ouvre un truc de flotte aussi. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, on pourrait faire quoi? On pourrait faire genre ça. On récupère un peu de mana. On peut appeler ça pour se soigner. Mieux viser et puis dans une goutte aussi ce serait bien comme ça du soin. Hop, voilà. J'avais besoin de Ditto en fait. J'avais oublié cette affaire. Oui bien sûr. Évidemment, c'est plus facile avec Efrit, mais bon. Et pour Omega, c'est cadeau. Dommage, c'est très bien comme objet ça. L'orange, c'est nul. Voilà. Ça aussi, c'est très bien. Peut-être laisser un truc Narz. Qu'est-ce qu'on a de Narz? Il reste plus grand chose de Narz. Hein. Ça, c'est tout est très bien. SP 3 quarts. Ouais. SP max, j'ai beaucoup de SP max. On peut laisser le SP 3 quarts peut-être. Et du coup, ça, c'est quoi? Ah ouais, c'était un quart seulement. Je pensais que c'était mieux. Par contre, ça c'est vraiment bien. Oh là là, j'en ai trois. Je préfère avoir ça. J'ai pas la clé. Marde. Ça a ouvert quoi déjà ça? Je sais pas si ça ouvre pas la porte de l'entrée. Pourquoi il s'arrête? Pourquoi tu t'arrêtes? Merde, ça a ouvert quoi?
J'ai récupéré quoi? J'ai récupéré plein de clés aussi. J'ai une clé rouge. Merde, la clé rouge, elle est au milieu. Ouais, je suis circonspect là. Je suis désappointé. C'était pas là. Diantre, qu'est-ce que j'ai ouvert? C'est passé. J'ai peur. Ça peut pas être à droite. Parce que je crois qu'il y a rien du tout. Là, il me semblait qu'il y avait un truc secret à cet endroit-là. Bon. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Ça s'est ouvert, ça s'est ouvert. J'ai allumé les torches partout. On est à l'accueil, donc là c'est tout. Il me manque un truc. Qu'est-ce qui me manque? Visiblement, il me manque un truc là-haut à droite. Ah bah voilà, c'est ça en fait. Par contre, ce passage secret là, je m'en souvenais pas du tout. Je me souviens absolument pas de ce passage. Très étrange. Pourtant, le truc avec les... Ah, c'est bon, j'ai la clé là. Oui. J'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que ça ? Alors c'est pas la bonne clé rouge que j'ai. Étonnant. C'est forcément un truc que j'ai oublié de faire. Je peux pas descendre là. Quoi. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire du coup? Ah, ou alors il faut que je passe par au-dessus. C'est pas ça. J'ai deux clés rouges. Je vois pas ce que j'ai oublié de faire. Aïe. Ça c'est fait déjà. Faut que j'arrive à trouver un moyen de monter là-haut. Peut-être récupérer ça déjà. Et là-haut, j'ai fait tous les chemins.
forcément un truc là, non? Non. Ah bah voilà, c'était ça en fait que j'avais pas fait. Tout simplement. Paf! C'est bon là maintenant. Voilà. Le boss il est où? Ça va aller vite normalement. Peut-être pas, il a l'air de plus vénère que l'autre. Oh j'ai plus de... D'accord, j'ai plus de mana. J'ai pas eu le temps de me recharger en mana. Il s'est tout de suite énervé. Voilà, mais quand on a la bonne arme, forcément tout de suite, ça se passe mieux. Aïe, aïe, aïe. Alors si, ça c'est intéressant comme arme quand même. On va se débarrasser de ça et on va récupérer ça. Même si normalement je changerai plus jamais d'arme. On sait jamais. Il me faut quoi là? Je peux consommer ça. Voilà. Et là on peut choisir. Là on va... Pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout ça qu'on veut. En vrai, si je me souviens bien, le boss qui est derrière, il vaut mieux avoir Shade. Parce que je crois qu'il y a un boss derrière. Et si je dis pas de bêtises, c'est le truc avec les plateformes et avec le vide. Le boss qu'au milieu. Bien ce qui me semblait. Et donc du coup, vaut mieux avoir Shade. Ça j'ai pas gagné. Voilà c'est bon, j'ai gagné. Voilà pourquoi il valait mieux avoir Shade. Ça va beaucoup plus vite tout de suite. Ouais. Dernier esprit élémentaire. Cher Watson, c'est l'esprit des plantes qui sert pas finalement à grand chose en combat, c'est assez, assez peu utile. Par contre ça te permet d'accéder à des zones auxquelles on pouvait pas accéder, à savoir des zones cachées derrière des gros grillages. Mais en combat c'est assez peu utile finalement. Voilà. Très bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On termine les aventures de Ali au royaume de Oasis, donc dans Beyond Oasis, dans la légende de Thor. Sachant que Thor, comme je le disais, n'existe jamais dans ce jeu. Hein. Voilà, des gros bisous à tous, portez-vous bien. La semaine prochaine, je suis exceptionnellement indisponible, donc vous ne verrez pas la semaine prochaine, mais si vous le souhaitez, on se retrouve dans 2 semaines, vendredi à partir de 19h. Voilà, des gros bisous à tous, prenez soin de vous, prenez soin des autres comme d'habitude. Ciao.